Deux petits Américains qui étaient morts, assassinés semaine dernière là, et dans une liaison, les Lyodes, dont une fille de congressman américain, eh bien, leurs corps ont été rapatriés aux États-Unis à bord de l'American Airlines. Vol commercial American Airlines, là, vers Haïti, hein? Et ils font aller-retour sombre jeudi matin. Parce que, en dedans, l'avion, ils ramenaient corps de jeunes couples américains assassinés par un gang à Port-au-Prince la semaine dernière. Selon CNN, dans un article qui sortit jeudi, donc hier, gang armé, parmi eux, vite l'homme, t'es impliqué dans un processus pour être capable d'arriver, jouer une croyo. C'est ce que ça me dit là. Donc même les qui touillent du américain, ils participent. Non, je ne crois. Et depuis, Gay et Nathalie Lyod, ils ont été accompagnés dans le vol par l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Dennis Hankins, et agent de sécurité américain, selon source proche opération. Après avoir quitté Haïti pour Miami, il ne peut pas le faire call by famille. Ce matin, les dépouilles de Day et Nathalie Lyod, eh bien, ont décollé en toute sécurité pour un vol de retour aux États-Unis. Il y aura une série d'escales et ils arriveront en toute sécurité à Neosho, Missouri, demain après-midi. C'est ça, un communiqué qui est publié par famille Mounio, son compte X, et Papa Nathalie, qui s'est représentant État Missouri, Ben Baker, qui m'a dit un peu de discrétion dans le genre de transporter quoi. Nous louons le Seigneur pour mes protecteurs sous cauchemar ça. Service funéraire a fait début semaine prochaine, c'est ça, papa a dit. Département d'État confirmé jeudi après-midi que deux corps effectivement sont arrivés aux États-Unis. Retour aux États-Unis, Cortimounio, monsieur, mesdames, monsieur, dames. Il fait suite à une semaine de négociations extraordinaires entre le gouvernement américain, les autorités haïtiennes, organisations locales et même les chefs de gang, selon des sources. Tout bagage a passé dans une ville qui est paralysée par des groupes criminels qui bloquaient l'importation de fournitures humanitaires dans le pays d'Haïti, qui détruit toute installation médicale et bloquait route Cléo. Dans une déclaration fait sous CNN, tendez bien, nous-mêmes qui sommes un peu partout dans le monde, nous-mêmes qui États-Unis, qui Canada, qui Montréal, qui Canada, qui dans les Antilles, qui dans l'Amérique du Sud, qui dans. Enfin, qui tout partout. Qui en Haïti tout. Nos déclarations fait sous CNN. Un porte-parole département d'État américain confirmé que les responsables américains en Haïti ont aidé dans l'opération ça. Conformément à souhait famille yo et yo organise transport des feux yo et tous les effets yo aux États-Unis. N'a pas du travail 24 sur 24 jusqu'à ce que dépouille yo retourne aux États-Unis, si ça peut pas la te dit bien avant que yo te arrivé joindre yo. L'ouverture, moi ça, aéroport une ouverture, son article signé m'a appelé là. Et qui c'est cible à ta coordonnée des gangs. Il m'a qu'une étape importante, c'est CNN qui a parlé comme ça, pour reconnecter capitale haïtienne au reste du monde. Après plusieurs mois de violence dans le pays ça, et qui ravagé par les gangs. Compagnie locale Sunrise, c'était déjà
pour commencer à voir lui depuis la semaine dernière. Mais CNN dit, progrès yo éclipsé par assassinat la semaine dernière de 3 missionnaires, 2 Américains et un Haïtien. Les Lyod et le directeur de la mission haïtien Jude Montis ont un incident très médiatisé qui a attiré l'attention des responsables américains et de la Maison Blanche. Les 3 ont été attaqués selon CNN. Ils ont été attaqués en début de soirée à l'église avec Orphelina, mission in Haiti, dans le quartier Lison de Port-au-Prince. Pendant que tu as fait un vol à main armée, ok? Côté tu as saccagé complexe, et côté tu as hier, et puis, et fourniture, et fait. Bon, deuxième gang pendant la passée, qui vient arriver sur les lieux, et les gangs pour arriver, les gangs recevoir des tirs de la part de nèg cap volé. De l'autre bandit, l'autre gang, gang rival. Ça va venir précipiter. Et il y a un véritable assaut contre l'espace là. Selon papa Davy Lyod, qui est fondateur de mission en Haïti, et qui est venu dans le téléphone. Et Montis avec Lyod, il était été barricadé dans la résidence là. Il va te quitter Oeo. Mais ça va te suffire. C'est ça. Lyod raconté à CNN. Et mission en Haïti. Et mesdames et messieurs. Dans le moment où ça t'a passé, qui va suivre attaque ça, il y a un employé, bureau, représentant américain de Missouri, Eric Burleson, qui lui-même fait partie du équipe sénateur américain. Josh Hawley et du Conseil de sécurité internationale des États-Unis, qui était contacté le département d'État et l'ambassade américaine en Haïti pour demander un secours avec aide. Dès que j'ai appris la situation, nous avons immédiatement contacté le département d'État pour essayer d'obtenir de l'aide. Malheureusement, l'aide n'a pas pu arriver à temps pour prévenir la tragédie, a déclaré à CNN Burleson. Non communiqué. Depuis Krimza, nous travaillons en étroite collaboration avec bureau sénateur Harley, le département d'État et compagnie aérienne pour terminer quoi aux États-Unis. Il dit remercier tout le monde qui a contribué dans GFOSA. Il y a maman Nathalie Lyod, Naomi Baker, qui travaille dans le bureau de Burleson et papa Ben Baker. Et un représentant de l'État de Missouri, qui est même très attristé par ce qui est passé. Après choc décès, ça, il vient tout très clair. Et il faut le clair pour tout le monde. Que quand Mounsayo, pour l'instant, il a récupéré et aux États-Unis. CNN dit dans l'article, il n'y avait pas de temps à perdre. Ça a son sous-titre. Qui ça le dit? CNN dit corps, Mounsayo, semble de corps que profané, a dit que yo battu, yo traîné à terre, yo semble avec corps été kidnappé. C'est ça le monde qui est impliqué dans l'opération, déclaré par CNN. Alors, nous les avons retirés d'une scène de crime. Nous retirés d'une scène de crime. Là. Il y a un service ambulance privé. Hero, client Rescue, qui était chargé de récupérer les corps vendredi matin, avant même que les autorités haïtiennes n'arrivent sur les lieux. Des grandes ambulances qui l'ont cherché avant l'autorité d'arriver. Grand employé de Hero, qui m'a dit de passer non pour des raisons de sécurité, qui confirmait par CNN que l'était coordonné équipe pour atteindre site côté de quitter cadavre Timounio. Équipe ça yo, yo cependant, yo te pral bloqué sous route par gang armé yo, selon une source que, qui au courant de situation qui parlait avec CNN. Yo dit qu'il y a une intervention extraordinaire des responsables américains en Haïti qui ont même rapidement agi pour négocier, entre autres, attendez,
avec gang, plusieurs gangs qui sont dans la région. Pour capable dégager accès à pour nous sortir. T'as bien, oui. Américains, ils ont négocié avec plusieurs chefs gangs dans la zone. Non. Pour être capable de prendre quoi, Timounio. Dans un appel téléphonique, avec plusieurs chefs gangs, parmi eux, vite l'homme, innocent. Un chef de gang, CNN dit, Goubamela, il est crasé barrière, qui n'est même pas impliqué dans l'attaque contre Timounio, mais il contrôle, on passe dans la zone, non? Et autour de l'ambassade américaine, et monsieur dit, CNN, que le bon droit de regard, les gens doivent sous quoi moun sa yo? Parce que dans la zone yo yé. Après l'appel, après fin fait appel mal avec Vite l'homme, avec l'autre chef gang, là m'a parlé des Américains. Et j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir pour communiquer avec les personnes contrôlant la zone, afin d'obtenir l'accès pour récupérer les corps à raconter innocent à CNN. Innocent tourné client CNN là. Nous sommes des clients CNN. CNN relè, innocent. Moi, qui a pour dire que ça va faire ça, tu es au chef, monsieur. CNN relè, monsieur. Monsieur dit, après fin font appel, je dis, il va aller avec tout le monde qui contrôle les zones. Hein? Pour être capable de jouer accès pour aller prendre quoi. Et innocent dit, je vais parler vite l'homme, monsieur dit, bah CNN. Son histoire qui triste. Les m'apprennent que un haïtien avec deux américains qui viennent servir population hein, qui mourit dans une situation terrible comme ça. Donc, vite l'homme, quel fait le mal. CNN rappelait que innocent, vite l'homme, il fait objet d'une prime de 2 millions de dollars. Il mettait sous tête li pour qu'un enlèvement présumé de citoyens américains, ça lui-même lui contestait. Et M. dit d'espérer un jour, il est capable de défendre lui, parce qu'il n'a jamais fait ça vrai. Les anciens n'ont déclaré. Véhicule d'urgence, et qui était dans un qui était dédié à un moment, là, on rapidement, ils ont autorisé l'entrée sur espace là. Écoutez, quand ils ont été calcinés, il y a un pile du feu, mais ils ont commencé à bouler. Quand ils n'ont pas de calciné, ils ont commencé à bouler. C'est une histoire triste. Hein? Même Jean Lotio. Il y a des pouilles, des vives, 23 ans. Et Nathalie Lyotte, 21 ans. Deux timounes. Hein? Deux timounes. Mais les Américains ont marié Bounia, papa. Et finalement, ils ont transpiré. À la mort d'un hôpital local en Haïti, pour être capable de garder quoi en sécurité. Et sous ce qui est impliqué dans l'opération, ça a déclaré par CNN que l'inspecteur finit d'inspecter quoi. Il a d'abord rendu compte que il y a des signes de traumatisme, ok, et de graves brûlures sur des vies, sur ces garçons. Mais pas aucune plaie par balle. Mais qui est mort là? Vous voyez? Pas aucun prépare balle sur yo. Et tout faire, tout faire. Ça qui passe là. Moi, je vais non? Il y a aucun prépare balle sur yo. Il y a tout faire. Ou bien, il y a fait arrêt cardiaque. Mais tout de pas faire arrêt cardiaque. C'est terrible, hein? Donc, c'est pas avec balle, il y a mouru. Et, c'est un lundi. Ou retirer reste comme un sa yo, non scène de crime. C'est une violation significative du protocole. Même dans une ville en proie à l'anarchie. C'est même dit, ou pas qu'après un cadavre ou moun, sans intervention de l'État, police scientifique, juge de paix, et pour on y prend le menel aux États-Unis, même si pays est en anarchie, il n'y a pas qu'à faire comme ça. C'est ça, CNN dit. Ah, c'est un journal sérieux. Cependant, autorité haïtienne, ils ont accepté pour inspecter des dépouilles. Ils ont fini de relocaliser pour essayer. Et puis ils ont dit, nous mettons la veille. La police nationale d'Haïti, il va répondre à une demande de commentaires de CNN pour histoire ça. Mais, dans la déclaration la semaine dernière, porte-parole de police, Gary Desrosiers,
Il a déclaré que l'autorité a travaillé avec force de l'ordre international pour enquêter et poursuivre auteur et Zach Malonet. Il y a un directeur mission en Haïti, M. Jude Montis, 45 ans. Lui-même, il est déjà enterré dans Port-au-Prince. Et ce mec qui s'est passé là. Et la presse locale, la presse haïtienne, et il montait de grandes foules qui rassemblaient devant l'église. Et côté eux, tu as fait funérailles. Et Jude Montis là. Il était comme un band musical tout, qui en deuil. Et qui ensuite, il était well. Et bonjour, donc Corbia. C'est même pas qu'il n'y a rien passé. C'est ça que les médias. L'homme fatigué. Pourquoi qu'il n'y a rien passé? Tout ces détails importants. Parce que quand tu fais un article, l'article doit parler. Parce que c'est pour caméra, mais on son plume, il faut faire plume d'en parler. Les détails sont importants. Mais, il y a un corps, lui, audio, et tu as besoin de te rapatrier aussi, etc. Actuellement, nous travaillons pour récupérer, etc. Bon, on dit clairement, pour l'instant, pour nous, fini, et. Les corps de Nathalie et de David et de David de Yoménéwale. Ok? Et pour l'instant, je de mes familles, et on dit que c'est dès début semaine prochaine, je vais le faire funérailles là. Mesdames et messieurs. Voilà l'histoire. Bon, on s'en nous dit. Qui commente un café sur l'histoire ça? Et pour arriver à récupérer le corps, Américains ont parlé avec. Chef gang yo. Donc yo négocie. Nous l'en débat là. Et yo nan qui aide jeune corps. C'est vite l'homme innocent. Ok? Vite l'homme innocent dit, bah ça fait le mal en pile. Vite l'homme. Hein? L'el gade pour loué deux haïtiens, un haïtien avec deux étrangers. Il y a tué comme ça, deux mots qui m'a communauté à service. Vous avez de l'homme dit. Monsieur écœuré. Il est choqué. Et. Mais ça pour nous retenir, c'est que. C'est pas coup de zab qui tire. C'est pas bandit qui mourit. Mais par exemple, on a rappelé que Donald Trump, on a rappelé l'autorité américaine, il a promis justice. À famille. Mais ce n'est pas n'importe qui qui mourir. C'est deux mots importants. Tout mon important. Mon connaît. Tout de toi, pas même longueur. C'est petit ton congressman américain. Donc, on attend pour nous, qui s'appelle passer, mesdames et messieurs. Est-ce qu'après, vous finissez par quoi? Laissez dans écolo. Ou bien, est-ce que vous avez des dossiers de la justice, pas la justice, mais dans l'enquête? Ou bien, il attend que. Force la départ en Haïti et puis pour profiter de momentum ça pour mettre même pas de casse avec yo mesdames et messieurs.